arriver vers le noyau d'Apollo comme on le savait déjà. On va aller ici. On y est. Bon, on va appeler le transit, bien évidemment, ça va prendre du temps. Une fois, regardez, prendre le temps. Ouais, il n'y a pas grand chose qu'on puisse faire, malheureusement. Ok, même pas recharger ses armes. On a du lance-flammes. On va un petit peu recharger ça pour être tranquille, au cas où. Bon, pour le moment, pas de mouvement, pas de traces. Personne n'est là. On est en théorie tranquille. Bon, ce transit met toujours énormément de temps à venir. Vous l'avez vu, vous le savez maintenant. Sixon. Our statistics are about natural today. Sixon, tomorrow, together. Pensez aux autres voyageurs. Emportez vos déchets avec vous. On est parti. Vers le noyau d'Apollo. Donc, Apollo, c'est... je pense que c'est l'ordinateur central, si je me trompe pas. Et on va pouvoir réinitialiser, c'est ça. Réinitialiser l'ordinateur pour au moins... comment dire... empêcher les droïdes de nous faire du mal déjà. On va pouvoir... changer ça. Pour le moment, il n'y a pas de mouvement. Si tout va bien, il y aura du monde quand même ici, au niveau droïde, vu qu'on arrive près du noyau. Hein. Confirmation du danger. Ah. Je me suis rendu à Apollo pour trouver ce qui a rendu les synthétiques dingues. Cet endroit est devenu un enfer. Apollo a redirigé les missions primaires des androïdes et a laissé en plan la maintenance qu'on avait demandé après la nouvelle. Il y a du liquide de refroidissement partout. Le gaz fuit et l'ascenseur d'accès principal s'est verrouillé. Ok, Speeding, à mon avis, qui a pas fait long feu. Je suis 45e sur la liste d'attente. Les systèmes sont tout à coup complètement obnubilés par les mesures de confinement. Je vais trouver un moyen de descendre. Speeding, terminé. Alors on va regarder dans les partagés. Il n'y a pas de code. Souvenez-vous, hein, c'est sur ces ordinateurs que de temps en temps on voit les codes, les mots de passe et compagnie à taper pour avoir des plus gros bonus. Ah, on va chercher dans les... On est overfull de matos, ça c'est déjà une bonne chose. On va recharger le revolver pour ajouter une balle. Trouver un moyen. Bon. Pour juger notre service de transit défectueux, veuillez remplir un formulaire à votre disposition. Ah, ça va être fermé. Arme à feu détectée. Putain, ah c'est ouais, pas vrai. Oula. Veuillez déposer les armes à feu sur le tapis de sécurité. Oula. Bon, j'adore. Et pourtant, il faudra passer. Faut que je trouve un moyen de passer, mais comment? Y a pas une grille quelque part? Ah, attendez. No weapons beyond this point. Ok. Ok. Donc, tant qu'on aura des armes, ça ne s'ouvrira pas, je pense. Il va falloir trouver un moyen de garder ses armes. Super, ça me plaît déjà. Abandonner ses armes. Ouais. Il n'y a rien qui s'ouvre, on est d'accord. Hein. Bon. Par contre, j'ai oublié, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai oublié les un plan qui squattait quelque part. Ce qui peut être quand même bien pratique ici, je crois. C'est ça. Alors, où es-tu, petit plan? Ah, plaque d'identité, c'est peut-être ça? Ah d'accord, c'est symbolisé sur la carte par la même chose qu'un plan. Bon. C'est déjà une bonne chose à savoir. Alors, ça nous fait pas avancer notre schmilblick. Service affectant actuellement. Bon, et je peux évidemment pas passer par ici, hein, on est d'accord. Ça ne changera pas. Rétablir le courant. Ok, à mon avis... Ça va être pour sortir de cette zone et ça va être la fin de cette zone pour nous.
Alors, on est toujours bloqué tant que nos armes ne seront pas déposées quelque part. Mélange. Non. Ah, placer les armes, voilà. Bon. Wilson et Apollo, vous remercie pour votre aide. Bien. Tu parles. Voilà. Et on va se retrouver sans armes, c'est génial. On avait besoin de ça, regardez. Hop, voilà. On vole petit tapis roulant. Et là. Porte fermée. Ok. Je pensais qu'elle allait s'ouvrir quand même. Ok. Super. Ah, c'est bon. Voilà. Alors, on a toujours le cocktail Molotov et compagnie. Donc au final, on est Ricardo, pas tout l'entrée est bloquée. Bon, on va quand même attendre. On va pas faire les films blancs. Vérifier les schémas des visites. Utiliser. 49. Ok, voyons. Il y a une liaison électrique 49, jusqu'au noyau d'Apollo. C'est pas ça. Tu peux l'utiliser. 49, tu penses pouvoir passer ? Éteindre les systèmes électriques, respirer un bon coup, spier en 4. Fastoche. 49, 30. Passe sur moi pour venir te sortir de là si t'es coincé. Parce que bien évidemment, le mot de passe est ici. 49, 30. Ça a l'air facile, hein, comme ça, je vous le dis, mais... À l'époque, j'avais quand même bien cherché après tous ces... Tous ces petits subterfuges qu'ils nous donnent. Bon, on va sauver. Ça va faire mal de ramper dans un couloir sous tension, non ? Je vais l'éteindre d'abord. On va sauver tranquillement. Hop, alors, c'est derrière nous, là-bas. J'espère ne pas rencontrer énormément de droïdes parce que il semblerait que je sois pas équipé pour ça non plus, hein. Une paire de tasers, ce serait bien. Par contre, dans le jeu, si j'ai un petit reproche, enfin, façon de parler à faire, c'est qu'on aurait, dû être en mesure de créer son petit taser personnel. Parce qu'au final, utiliser des ressources, autant de ressources, des balles, des flingues, des, enfin, tout ça, ben, vous l'avez vu, même le lance-flamme n'est pas vraiment efficace, le cocktail Molotov ne l'est pas non plus. Donc ça fait un petit peu chier, ça fait cher de... d'aller tout simplement claquer des armes comme ça, shotgun et 3 balles de petits pistolets. Donc, voilà, c'est regrettable qu'ils aient pas pensé, ou alors ça a été volontairement, justement pour nous mettre encore plus de panique. Mais c'est bien dommage. Je sais, je me plains tout le temps au sujet de ces saloperies. Mais maintenant, j'ai la preuve. J'ai cherché un peu le 4ème code, encore une fois, vous l'avez vu, j'ai cherché comme un 2B. Ricardo, c'est bon. Voilà, droit d'admin obtenu. Éteindre la ventilation de la turbine. Il doit y avoir un arrêt d'urgence pas loin, mais ça va pas s'arrêter. Ouais, évidemment, dans l'autre sens. Hein. Ça va être l'art de te faire courir dans des tuyaux. Bon, je pense que pour le moment, on n'a rien à craindre. Par rapport aux aliens, ouais, donc on peut se permettre de courir tout simplement. Bon, on va re-sauver, hein, c'est juste parce qu'on passe à côté, rien de plus. Alors, par où? Bah par là, il semblerait. Hein. Si j'arrive à lire un plan... Oh, ça vibre. Non, ça va. Si, ça vibre. Ah. Alors ici, il doit y avoir un moyen... Voilà, on y est. Je pense que c'est ici. Utiliser le syntoniseur. Super. Waouh. Oh lol, j'ai raté le code. Enfin, j'ai raté. J'ai perdu le signal. On va dire ça comme ça. Nickel. On y est toujours. Accélérer la turbine, c'est arrêté. De la turbine. Si les systèmes surchauffent, ils vont redémarrer. C'est où? Ouais, c'est derrière. On y est. Et à mon avis, que c'est par ici. Super. On y est. Bon, et après? Ah, là. Autant pour moi, j'avais pas vu l'échelle. Bon,
On va pouvoir accéder à Apollo tranquillement maintenant. Ça va être tendu. Ça va être tendu. Tu l'as dit. On va peut-être recharger sa lampe torche. Voilà, c'est plutôt génial. Je vais bientôt te perdre. Génial. Croise les doigts pour moi, ok? Pas de mouvement, rien du tout. Pas de les papillotes, mais c'est normal. C'est tout l'électricité. Samuel, c'est sacrifié pour que j'arrive jusqu'ici. Statique électromagnétique. Il faut que j'essaie. Qui est généré ici. On est quand même dans... Moi aussi. Dans le noyau principal, on va dire ça comme ça. De l'IA. Ah, on a quelque chose là. Un détecteur. Ah. Et est-ce qu'on n'a pas... Si. Une grenade. Super. Une bombe. Super, on fait rien avec ça. Une bombe tuyau. Il nous manque quelque chose. Super. Bon. Tant pis, on fera avec les amis. Alors ça, c'est pour se cacher, donc... Ah, on a une borne de sauvegarde, on va sauvegarder, enfin, une borne, ouais, on va lire ça comme ça. Alors, par où on doit aller? Accéder à la... à Apollo, en fait, tout simplement. Bon, Apollo Corps, le cœur d'Apollo n'est pas là. L'entrée principale est verrouillée. Ah ouais, je fais quoi hémisphère. Maintenant? Je t'entends pas, Riff, ton signal est trop faible. Faut que je désactive quelque chose ici. Semblerait si que ce peux soit. Entendre, trouve un autre moyen de me contacter. Bizarre. Bon, on va accéder du coup à la droite. Oh. Super. On va quand même faire gaffe au robot qui est là dans le coin. Vous l'avez vu, j'aurais peut-être dû l'attaquer de dos. Ça aurait peut-être été une bonne idée. Bon, tant pis. Vendu, vendu. Trilling, un truc de dingue vient d'arriver. Sébastopol n'est plus sur le marché. On a un acheteur. On boucle tout dans quelques semaines, et eux, ils changent d'avis. Après toutes ces présentations et visites à n'en plus finir, finalement les pourparlers n'étaient pas tant que ça au point mort. Un gars du QG de la compagnie n'a eu qu'à claquer des doigts. Un message de confirmation vient d'arriver, et Apollo reçoit en ce moment un paquet de nouvelles règles d'opération. Okay. Je suppose donc que l'affaire est conclue. Confinement du danger, Omega. Donc c'est ça en fait. Il faut qu'on arrive au cœur d'Apollo. Oh putain. Je t'ai vu dire. Il faut que j'arrive au cœur d'Apollo tout simplement et que je puisse comment dire désactiver cet ordre Omega qui nous pourrit bien la vie. L'avantage maintenant c'est qu'on va pouvoir recréer un medikit. On a bien tout ce qu'il faut quand même pour se permettre ce genre de fioriture, ça c'est bien. Ah, là-bas il y a un truc à synthoniser je pense. Alors ok, bon, mais lol. En fait, on peut pas passer, c'est une blague. Trouver la salle des contrôles d'Apollo par les humains. Ok. Bon. Il semblerait que je doive revenir en arrière. Ou pas. Là, ça me semble quand même bizarre, ton truc. Ouais. Et... Attendez, je vais regarder parce que j'ai dû peut-être... Sur un malentendu... Tiens, ça me semble bizarre. On va tenter, les gars, parce que de toute façon, après tout, on est là pour tenter des choses. Mais j'ai quand même l'impression que... On va passer. Allez, on passe. On s'en fout. Non, on passe pas, en fait. On passe pas. On arrête de faire les Jedi. On passera pas. Je pensais pouvoir forcer. Bon, en même temps, c'est logique de leur part d'avoir fait... bloquer les chemins comme ça, hein, ça permet de prendre un peu plus de temps. Par contre, je pense que du coup, par le terminal, il y a certainement un truc que j'ai raté, non? 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 Ok. Bah, rien du tout. Je pensais. Voilà. Et les consoles ne me donneraient rien. Ah! Bah voilà! Suffisait simplement... de faire ça, voilà. Bon, par contre je sais pas du tout où je suis. On va passer comme ça, on verra bien. Ah super. Le v'là. Bam. Bon, je pensais pouvoir l'aligner directement, mais non. Ça a été un peu. Je vais vous distraire. Sérieux? Ah punaise, voilà, on y est, les tasers ne font pas effet sur lui. Ou pas.
calmer. Une sacrée raclée. Ça. Ça pipote. Tiens. T'es sérieux, mec? Bon. On va tenter de le raisonner comme on veut. Lol. Ok. Bon. Ce qu'on va faire, on va y aller. Voilà. Ah, lol. D'accord. C'est même mieux que ça, en fait. Il est immunisé contre ça. Bon. La cocktail Molotov. Allez. Et toi? Tu crois vraiment que tu vas faire ça? Super, ça ne fait rien du tout. A priori, hein. Je vais pas me... Ah si. Ok. Bon, ça en fait un en moins. Parce que j'ai quand même tout utilisé. J'ai tout craqué. Scandaleux. C'est pas grave, au final. La finalité, c'est qu'on l'ait quand même tué. Ah, il y en a un deuxième, génial. Bon. Cocktail Molotov. Allez, c'est parti. Ah, mais je me suis fait cramer de moi-même. C'est pas beau la vie. Bon, on va la refaire. Et j'ai bien fait de sauvegarder, vous l'avez vu. Ricardo, l'entrée principale est verrouillée. Je fais quoi maintenant? Je t'entends pas, Rip. Ton signal est trop faible. Ricardo? On va prendre directement le masque à gaz. Si tu peux m'entendre, trouve un autre moyen de me contacter. Il y a un truc qui cloche avec mon oreillette. Wow. J'étais pas prêt avec toi, là. J'étais pas prêt. Je lui balance. Bon, ça va être bien non, pas de pratique. Je n'ai pas obligé d'en arriver là-bas. Je voulais pas me foutre, t'inquiète pas. Allez, crève. Ok, bon. Ah, c'est le feu. Ah, d'accord, c'est encore mieux que ça. Bon. Super, bon, il veut toujours pas crever lui. Putain, et c'est horrible, ils sont vraiment horribles ceux-là. Alors. Ils veulent pas crever, ça va être bien. Casse-burette. Bon. On va se poser. Et on va essayer de trouver une solution. Cocktail Molotov, je peux plus le faire. La dave volante. Bah, je l'ai lancé tout à l'heure. Émetteur de son. N'hésitez pas à me demander des conseils. Ça ne fait rien. Taser, ça va rien faire non plus. Bon. Qu'on n'a pas trop le choix, c'est ah peut-être en fait il y a moyen de le tuer comme ça. On va utiliser pas mal de medikits, mais ou pas. J'allais justement me soigner. Salut.